tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online avec une course créée par un nom, alors Negogs, XXXX, une course casse-cou bien évidemment, qui s'appelle donc Newstone Park. Et parmi toutes les courses que j'ai essayées depuis le lancement de l'éditeur mardi dernier, très honnêtement, c'est celle que je trouve la mieux faite, la plus propre surtout. Elle est vraiment très propre, vous allez voir. J'ai adoré cette course. Alors bon, je prends l'Osiris. Je m'excuse d'ores et déjà pour la couleur de mon Osiris, pardon. C'est ma fille qui a choisi cette magnifique couleur rose avec cette magnifique couleur jaune. On n'est que trois parce que je suis toujours au Maroc, hein, comme vous le savez, et j'ai du mal à pouvoir, quand j'invite des gens, j'ai du mal à ce que les gens viennent, et même moi, quand j'essaie de rejoindre des sessions, souvent je me dis que ça me déconnecte aussi, donc c'est vraiment compliqué d'avoir du monde avec moi sur les courses. C'est pas très grave, le but étant de vous montrer à quoi peut ressembler, enfin, ce qu'on peut faire justement avec ce nouvel éditeur. Excusez-moi. Et on peut faire quand même pas mal de choses, hein. On peut faire vraiment pas mal de choses, donc un petit wall ride tranquillou, voilà. Donc la course n'est pas en direct, hein. J'ai pas pu la commenter en direct, donc voilà, mais donc j'ai mis deux tours et c'est une course vraiment que je trouve vraiment très 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 propre et voilà, super bien faite, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas, hein. Je crois que je suis passé la dernière fois, hein, dans la dernière vidéo avec mon petit frère, j'espérais passer 1 million d'abonnés, bon je suis rendu à 30 abonnés je crois. Bon les gars, allez, bordel, abonnez-vous, si vous voulez, je vous paye. Franchement, je crois que je vais finir par vous payer pour vous abonner. Non, plus sérieusement, pour revenir sur cet éditeur, j'ai commencé, moi, vite fait, à faire quelques essais de course. Encore une fois, je suis en vacances, donc je sais pas que ça va foutre, mais de temps en temps, voilà, je me prends deux, trois petites heures. Et j'ai tenté quelques trucs. Alors, moi, j'ai un bug. Alors, si vous avez le même bug, par exemple, je ne vais pas l'avoir, il y a quelqu'un qui l'est a priori, mais alors si vous l'avez eu, si vous avez une solution, dites-la moi. Alors écoutez bien, moi j'ai un bug, c'est quand je dois par exemple marquer le nom de la course, voilà, par exemple sur toute une course, voilà, et ben là en fait le jeu il plante, ou alors ça me dit les déconnexions du serveur Rockstar et tout machin truc, et ça me fait exactement pareil quand vous savez dans le mode PDG quand il faut renommer le nom de son organisation, ou pour le paquebot, là le yacht, où il faut donner un nom au yacht. À chaque fois en fait que je dois utiliser le mode, enfin à chaque fois que je dois donner un nom à quelque chose en fait, tout simplement, que ce soit en mode course ou en mode on va dire en ligne quoi, le jeu il plante. Alors je sais pas quoi faire par rapport à ça, parce que le souci c'est que je peux plus, au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, je ne peux pas créer de course. Alors je peux la créer, mais puisque je ne peux pas lui donner le nom, ça ne peut pas faire grand chose. Je peux créer des choses, mais dès que je dois donner un nom, ça prend. Donc, je ne peux pas sauvegarder par exemple. Encore si je pouvais sauvegarder, j'attendrais peut-être mon retour en France, sachant que c'est un peu de ma connexion ici, je ne sais pas. Il y a un réel problème par rapport à ça, donc c'est assez frustrant. Parce que j'avais commencé une course et tout, c'était pas aussi bien faite que celle-ci. Mais voilà, c'était un petit essai. Et bah malheureusement, voilà, je ne peux pas la sauvegarder. Donc en gros, pour l'instant, je suis complètement bloqué. Alors si vous avez entendu parler de ce problème-là et que vous avez une éventuelle solution à me donner, n'hésitez pas, parce que moi personnellement je suis complètement perdu quoi. Donc voilà, en tout cas les possibilités avec cet éditeur elles sont quasiment infinies, j'ai envie de vous dire. Il y a un truc qui est super cool, alors déjà la première chose c'est qu'on peut mettre 150 éléments au lieu de 100 avant. Et ça par contre ça c'est cool, j'aurais préféré 200 mais bon 150 c'est déjà très très bien, on peut faire pas mal de choses. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut facilement créer des circuits, parce qu'en fait, il y a aussi un nouveau truc qui s'appelle l'aimantation, donc les différents éléments se collent naturellement, quoi. C'est pas la peine, c'est pas à nous de jouer de précision, quoi. Ça se fait tout seul, donc c'est pas obligatoire, hein. C'est un truc qu'on coche ou qu'on décoche, comme l'empilation d'éléments d'ailleurs, et ça c'est vachement bien, ça veut dire qu'on peut vraiment recréer des circuits. Là, j'ai fait une course aussi, c'était le mec, il a recréé le circuit F1 de Manicourt. Donc, alors c'est pas du what the fuck, hein, y a pas de tremplin, pas de wall ride, pas de looping, pas de rien du tout. Mais c'est quand même, je trouve ça vraiment cool. Donc même pour ceux qui n'aiment pas trop faire des courses, aujourd'hui c'est assez simple quand même de faire au moins un circuit. Les loopings ils seront tout seuls, les wall ride aussi. Enfin, je veux dire, après il y a quand même de la créativité en plus à avoir, si on veut faire des parties comme celui-ci évidemment. Mais je veux dire, on peut tous aujourd'hui avec un minimum d'intelligence, faire des circuits vraiment cohérents.
sur lequel les gens peuvent vraiment, vraiment s'amuser. Donc ouais, ça, bravo et big up à Rockstar, ils ont fait quand même un super truc. Ça change vraiment, quoi. C'est un autre... Je sais pas, c'est un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu de course, quoi, je trouve, qui nous propose, et franchement, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Après, moi, j'ai tout le temps autant de mal dans les tubes, bon, bah là, a priori, c'est bien passé. J'ai vraiment du mal dans les tubes, je sais pas pourquoi, mais bon, ça viendra avec le temps. J'ai pas encore fait non plus beaucoup de courses. Je fais ça à mon retour en France avec le père Bouille, hein, qui manque un peu aux vidéos quand même. Et voilà, donc si vous avez créé des courses, n'hésitez pas à me laisser envoyer que je les teste. Hein. Parce que c'est pareil, quand je vais sur le site de Rockstar, ça plante tout le temps. Enfin voilà, ici c'est vraiment compliqué d'avoir une connexion correcte. Hein. Donc j'ai toujours des bugs sans quoi qu'il se passe. Donc n'hésitez pas, si vous avez créé des courses, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer avec bruit. On sera bien content de les tester. Et puis, je vais accueillir d'autres. Il y a un nouveau mode aussi qui est sorti, je crois qu'ils sont rapprochés, alors personnellement je n'ai pas essayé. Si vous avez essayé, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça a l'air pas mal non plus, mais bon, sur le papier c'est pas mal, après pour voir ce que ça donne aussi. Pour voir ce que ça donne aussi en vrai. Et dernière question, parce que j'ai pas eu le temps de regarder non plus, donc toi t'as pas compris de regarder ça. Bon, c'est pas grave. Ah, si, non, non, il n'y a pas compris. Pas compris. Est-ce qu'on peut utiliser tous ces éléments, et ça je ne crois pas, hein. Je n'ai pas essayé, sur des modes capture, affrontement, tout ça. Je ne l'ai pas encore vu sur internet, encore une fois je me répète, mais je passe pas non plus ma vie à chercher en ce moment. Donc, en tout cas, je n'ai pas vu de mode, soit de mode bullying par exemple, de mode n'importe quoi, des affrontements, des captures, avec des éléments casse-cou, on va dire. Ça, je n'ai pas encore vu ça. Faut que je regarde, tout simplement, je verrai ça, je pense, à mon retour en France. Ça risque d'être, je pense, la dernière vidéo ou l'avant-dernière avant mon retour en France. Et après, voilà, on sera avec Boury et on fera ça beaucoup plus sérieusement. Là, je mets ce que je peux. D'ailleurs, j'ai jamais effacé une vidéo sans faire exprès. Bref, tout part en couille ici. J'ai toujours aussi chaud, d'ailleurs. Très dur de tenir, mais bon, il faut tenir. Voilà, donc c'est une course, on n'était que trois. Qui s'appelle donc Newton Park sur Xbox One, et c'est une course que vraiment j'apprécie beaucoup, et je vous la conseille, hein. Bien sûr, le lien de la course sera en description, également le lien il me semble que le mec, si j'ai bien vu dans sa description, il y a une chaîne YouTube, donc je pense que je vous mettrai bien aussi de sa chaîne YouTube et des mérites, parce que voilà, il a fait une belle course avec de nouveaux éléments, il a vraiment fait une belle course. Alors vas-y, attends, juste parenthèse, vas-y, prends le ride avec ta header. C'est la super sportive que je déteste le plus, hein, personnellement. Là, je ne supporte pas cette caisse. Je trouve lourde. Allez, je sais pas, je vais pas. D'accord, tout. Non, là, ok. Donc voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, hein, d'accord. N'ayez pas peur. On va pas vous manger avec Boury. On est super cool. Et puis, bah, sur ce, passez de bonnes vacances, hein, parce que c'est bientôt fini. La rentrée, c'est dans 3 semaines maintenant, même dans 2-3 semaines. Donc profitez bien de vos derniers jours de vacances, kiffez la vie, et puis bah, kiffez GTA. Ciao, ciao, bye bye.